Bon. Alors, on avait appris dans la Mishnah que Rabbi, dans les mots, c'est Rabbi en haut de la page, là. Rabbi Yehuda, Omer. Rabbi Yehuda dit Im, si, en, il n'y a pas. Diurim, des habitants. Ba Eliona, dans la souka du haut. Alors, Tartona, Chera. Donc, regardez le dessin. Si on peut mettre des gens là-haut, alors la souka d'en bas, elle est psoula. Mais si on ne peut pas mettre des gens là-haut, la souka d'en bas, elle est cachère. C'est ça qu'on avait appris dans la Mishnah. Et maintenant, la Gemara va essayer d'analyser cette affirmation. C'est-à-dire, s'il y a des gens là-haut, ceux d'en bas, ben, c'est pas psoul. S'il n'y a pas des gens là-haut, ceux d'en bas, c'est cachère. La Gemara demande, Maï Endiurim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens, c'est-à-dire quoi? Le fait qu'il y ait un bonhomme qui se promène là-haut, ça me dérange. Il n'y a qu'à rester là-haut, mais ça ne me dérange pas. Pourquoi le fait que s'il y a des gens là-haut, ça devient pas saoul? Si le gars, il sort pour aller à la tfila, ça devient cachère. C'est pas la personne du haut qui me dérange, c'est quoi? Pourquoi on a dit cette distinction entre est-ce qu'il y a des gens là-haut ou s'il n'y a pas des gens là-haut? Que signifie maï? On a ramené ça veut dire ma. Ma, en hébreu, maï en araméen. Ma, my endiurim. Qu'est-ce que ça signifie le mot il n'y a pas d'habitants? I, lima. I, c'est comme im. Lima, c'est le comme les morts. I, lima, si tu dis diurim amash, que tout dépend, est-ce qu'il y a des habitants qui y habitent vraiment ou pas? C'est ça que ça veut dire. S'il y a des gens qui habitent là-haut, ben, moi je suis en bas, c'est pas seul. S'il y a personne là-haut, ils ont déménagé. Alors moi, je peux faire ma souka en bas. On m'a dit, à tout, est-ce que diurim kagarmé, est-ce que c'est vraiment ce qui va entraîner que la souka soit disqualifiée ou bien acceptée? Ça dépendra de ce qu'il y a des gens là-haut. Quelle est l'explication de cette halakha? S'il y a des gens là-haut, c'est pas soul. S'il y a personne, c'est kasher. Mais qu'est-ce que ça m'importe beaucoup, moi, s'il y a des gens en haut? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui me dérange, ceux qui sont là-haut? Ah, tu vas me dire, peut-être ils sont juste sur ma tête. Non, mais même s'ils se mettent de l'autre côté, si c'est pas saoul. Qu'est-ce que ça veut dire s'il y a des gens ou il n'y a pas des gens? C'est pas ça, c'est pas un paramètre, ça. Le fait qu'il y a d'autres personnes qui habitent en haut ou qui n'y habitent pas en haut, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne me fait aucune interférence. Donc, qu'est-ce que peut bien vouloir dire la Mishnah? Tout dépend, est-ce qu'il y a des diurim? Il y a des gens là-haut? Je ne comprends pas. Et là... Donc, qu'est-ce qu'il faut expliquer? Lave. Et la lave. C'est sûr que ce n'est pas cette explication. Maï endiurim. Qu'est-ce qu'on peut expliquer? Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas une habitation. Kol she eno raoul le dira. Ena raoul le dira. Ah, c'est différent. Ce n'est pas ce qu'il y a des gens qui habitent ou des gens qui n'y habitent pas. Est-ce que c'est habitable ou pas habitable? C'est différent. De dire que c'est une super... Souka là-haut, le fait qu'il n'y a personne, c'est caché. S'il y a quelqu'un qui rentre dedans, c'est pas soul. Ça, c'est incompréhensible. Comment tu peux expliquer ça? Mais c'est pas ça qu'on veut dire. On ne veut pas dire est-ce qu'il y a des gens qui habitent ou pas. Est-ce que c'est habitable ou pas habitable? Si ce que tu as fait en haut, comme Souka, c'est une demeure qui est habitable, alors celle d'en bas ne peut pas être utilisée parce que c'est Souka, Algabé, Souka. Une Souka sur une autre souka, c'est pas soul. Mais si tu nous dis que la souka qui est supérieure, elle n'est pas habitable, parce que c'est trop petit, ou bien il y a des raisons X ou Y qu'on ne peut pas y habiter. Donc, je comprends bien que la souka d'en bas, elle est cachère. Pourquoi je comprends bien? Parce que ce n'est pas une souka sur une autre souka, parce que la souka de supérieure, elle est inhabitable. Donc, c'est ça qui vient dire Rabbi Yehuda. Et bien là, il dit, c'est pas les gens qui me dérangent, c'est la possibilité d'y habiter. Ça veut dire, est-ce que c'est une souka qui est faite en bonne et due forme? On va prendre un exemple. Hein. Imaginons-nous, quelle est la souka, la minimale de hauteur qui est obligée d'après la Torah pour être considérée une souka? Combien on a dit? 10 tfachim, 1 mètre. 1 mètre de hauteur, c'est le minimum. Donc, si la souka du haut, elle a 1 mètre,
Celle de Yubal est passible. Pourquoi ? Parce que peu importe si tu habites en haut ou pas, parce que celle du haut, c'est une vraie souka, donc celle du bas ne peut pas être acceptée. Pourquoi ? Parce que c'est souka, algabé souka. Mais si celle du haut, elle a 8 fachim, 80 cm, c'est cachère. Pourquoi ? Parce que c'est pas une souka. Sur une souka, c'est pas une souka en haut. C'est rien. C'est un espace vide. C'est un espace qui n'est pas considéré. Donc la souka qui est supérieure ne dérange pas pour cachériser la souka qui est inférieure. Pourquoi ? Parce que c'est pas une souka, celle qui est en haut. Vous avez compris comment ça marche ? On n'avait pas parlé de 70 sur 70 aussi. Oui, ça c'est la largeur. La largeur. Il y a aussi ça. Tu as raison aussi. Que si celle d'en haut, elle est moins que 70 sur 70, donc c'est un petit truc comme ça, même si elle est plus haute que 1 mètre, ça marche, ça, c'est cachère. Parce que pour que ce soit pas soul, c'est pas considéré comme souka. Ouais. Pour que ce soit pas soul, celle du bas, qu'est-ce qu'il faut ? Que celle du haut, il faut qu'elle soit cachère. Si elle est cachère en haut, celle du bas, elle est pas soul. Si celle du haut, elle est pas soul, celle du bas, elle est cachère. Vous comprenez pourquoi ? Parce qu'on a dit que le pasouk, il a dit souka, algabé souka, une souka sur l'autre. Donc, pour qu'une souka soit cachère, celle du bas, il faut qu'elle n'a pas sur la tête une autre souka. Et c'est quoi avoir une souka ? Il y a la hauteur, il y a la largeur, il y a la grandeur. Donc si tu n'as pas les dimensions adéquates, eh ben c'est pas soul. D'accord ? Dans les mots. Et là, la my endure. Qu'est-ce qu'on peut expliquer la Mishnah ? Kol chez Enare, où elle dira pas si tu habites ou pas, tu n'habites pas. C'est est-ce que c'est apte à l'habitation ou pas ? Vechidami. Et dans quel cas, voilà, dis-moi un exemple. Comment je veux savoir, moi, si celle d'en haut, elle me dérange ou pas ? Echidami, quelles sont les circonstances que Rav Yehuda considère que la souka d'en haut n'est pas adaptée à l'habitation ? Comment ça, vous n'allez pas adapter ? On a dit, Delo Gavoa Sarah. Si celle du haut, elle n'a pas une hauteur de 10 tfachim, 1 mètre, donc ça veut dire, est-ce que tu peux y aller là-haut ? Je ne peux pas rentrer là-dedans, c'est trop petit. Donc, celle d'en haut, est-ce que tu appelles une souka ou pas ? Non. Donc, ce n'est pas une souka. Si ce n'est pas une souka, c'est du balai cacheur. Mais si celle du haut, c'est une très belle souka qui a 1 mètre de hauteur, donc tu peux monter là-haut. C'est que tu peux monter là-haut. Bon, c'est évidemment, si tu as un bon plancher, mais tu peux monter là-haut. En tout cas, tu as l'espace requis d'un point de vue halakhique. Oui, donc c'est une souka qui est sur une souka. D'accord ? Et c'est tout simple. D'accord ? Vous avez bien compris. Alors, répétons. Je répète. Quel était, on va dire, quel était l'avamina ? C'est quoi l'avamina ? Au début, on croyait que quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que diurim, est-ce qu'il y avait des habitants ou pas des habitants ? Est-ce que c'est logique de prendre comme repère les habitants ou pas les habitants. Qu'est-ce qu'on fout s'il y a des habitants ou pas des habitants ? Qu'est-ce qu'on fout ? S'il y a des gens qui s'habitent là-bas ou pas, ça ne dérange pas. Donc, ce n'est pas ça que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi ? C'est pas est-ce qu'il y a un habitant ou pas ? C'est habitable. Et comment je peux savoir si c'est habitable ou pas ? Ben, je regarde la superficie, la hauteur, la largeur. Je dis, est-ce que là-haut, je regarde, est-ce que là-haut, c'est une souka ou pas ? Si c'est une souka, eh bien, alors, si celle du haut, c'est une souka, celle du bas ne peut pas être cachère. Pourquoi ? Ah, mais celle du bas aussi, elle est une souka. Oui, mais c'est une souka sur une souka. Quand il y en a deux, la celle du bas, elle est pas soule, celle du haut, elle est cachère. Parce que rappelez-vous que ce que dit la Torah, dit Shivat yamim tejvu be soukat. Shivat yamim tejvu be soukat. Pas de soukot. Il manque le vav. Donc, une souka. Pas, tu ne mets pas sur la tête deux soukot. D'accord ? Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Alors, comment dit donc, Rabbi Yehuda, il a dit, c'est vraiment logique, rationnel, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Rabbanan ? Et quoi ? Mikla de Tanakama, Savar, Mashmadola, que Tanakama penserait, Afalpi, chez Ena, Reouya, les dira, Psoula. Alors, donc, ça veut dire, lui, Rabbi Yehuda, rappelez-vous, on a vu Khamim et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui dit que quoi ? Ça dépend. Si celle du haut, elle a 1 mètre de hauteur, celle du bas, elle n'est pas soule. Si elle n'a pas 1 mètre de hauteur, celle du haut, celle du bas, elle est cachère. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils disent ? Et toi, qui c'est qui peut être... Je veux dire, elle m'a dit, qui peut remettre en question
les paroles de Rabbi Yehuda. C'est tellement logique, rationnel, qui sait qui peut remettre en question ? Quoi ? Chachamim, ils voudraient dire que même s'il y a une souka à celle du haut qui n'a rien que 30 cm, 40 cm, ça ne rend pas sous le tibia. Mais ce n'est pas une souka sur une souka. La Torah a dit une souka sur une souka. Mais celle du haut qui n'a pas un mètre de hauteur, c'est pas soul. Donc si c'est pas soul, c'est pas une souka sur une souka. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Rabbanan ? Il dit non, moi je veux pas. Je veux pas. Quoi, tu veux pas quoi ? Ce que je te dis, c'est rationnel. Je te dis, si celle du haut, elle a un mètre, pas soul. Si celle du haut, elle a moins qu'un mètre, kasher. Et toi, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis toi ? Tu dis, même si celle du haut, elle a moins qu'un mètre, c'est pas soul. Pourquoi ? C'est pas une souka ? La Torah a dit de pas mettre une souka sur une souka. C'est pas une souka. Miklal. Est-ce qu'on va dire des Tanakama que le. C'est qui Tanakama ? C'est Rabbi Meir Balanes, que toujours on a dit. Rappelez-vous, parce qu'on avait 5 Talmidim. Et qui c'est les 5 ? C'est Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Rabbi Nechemia. Donc on en a 5. Et toujours dans la Mishnah, c'est toujours les deux premiers. Le celui qui n'a pas dit, il n'y a pas de nom, c'est Rabbi Meir. Et le second, c'est Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, lui, il a dit, tout dépendra de la hauteur de la souka supérieure. Et Rabbanan, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis, toi ? Qu'est-ce que tu dis, quoi ? Tu dis que même s'il n'y a pas un mètre de hauteur, quand même, c'est pas soul. Mais pourquoi ? La Torah a dit souka sur une souka. Mais c'est pas une souka sur une souka, ça. C'est rien sur une souka. Rien sur une souka, ça va être kasher. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Rabbanan ? Comprenez comment on réfléchit ? Miklad, Tanakama, ça va. De là, tu veux en déduire que Tanakama, il penserait à Falpi, malgré le fait, Shena Reouya le dira Psoula, que même elle n'est pas apte à habiter, quand même, c'est pas Soul. C'est pas possible. C'est pas logique. Rabbi Yehuda, ce qu'il dit, c'est tellement logique qu'il n'y a personne qui peut venir le remettre en question ses paroles. Alors, voilà ce que dit la Gemara, qui atta Rav Dimi. Alors un jour, Rav Dimi, c'était qui Rav Dimi ? En rouge, Rav Dimi, c'était l'élève de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, rappelez-vous, c'est lui l'auteur du Talmud de Jérusalem. Et Rav Dimi, lui, c'était un des grands élèves de Rabbi Yohanan. Et lui, ce qu'il faisait, il faisait sa alia. Mais il faisait sa alia dans l'autre sens. Il habitait en Israël, il faisait sa alia en France. C'est-à-dire, il faisait sa alia de l'autre sens. Il allait d'Israël vers Babylonie. Parce que comme en Babylonie, il y avait des grands maîtres, alors qu'Israël, c'était complètement en train de perdre. Voilà, parce que malheureusement, il avait très difficile de vivre. Donc, qu'est-ce qu'il faisait ? Lui, ils allaient souvent en Babylonie. Donc, lorsqu'ils passaient d'Israël en Babylonie, alors toujours, il allait voir les grands maîtres de l'époque, Rav, Shmuel, Abaye, Rava, il allait voir ces grands maîtres-là. Et chaque fois, il rapportait les paroles qui ont été dites de son maître qui habitait à Jérusalem aux gens qui habitaient en Babylonie. Donc c'est bien, ils avaient comme ça ce qu'on appelle, aujourd'hui on envoyait des SMS, ils avaient une connexion entre Israël et Babylonie. Alors chaque fois qu'il y avait des choses compliquées comme ça, on disait, attends, t'as pas toi, comment vous avez expliqué là-bas en Israël cette affaire-là ? Parce que là on est arrivé dans un point d'interrogation, on n'arrive pas à comprendre ça. Alors lorsque Rav Dimi est venu en Babylonie, et il a donné une explication, Amré, Bemarva, en Israël, nous, quand on est arrivé sur cette Mishnah, on avait une autre explication qui va changer complètement la donne et qui va expliquer la discussion qu'il y a entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Tanakama et Rabbi Yehuda, et pour bien comprendre pourquoi l'un rend pas soul et l'autre rend kasher. Et on va expliquer comme ça. Im en atartona yechola lekabel Karim Vexatot Shel Eliona Atartona Kshera. Il dit qu'en réalité, c'est faux de dire. Ça, c'est ce que tu as voulu dire toi. Non, ce que tu as voulu dire toi. Parce qu'on a dit que combien de paramètres vous connaissez, jusqu'à aujourd'hui, combien de paramètres nous connaissons
pour qu'une souka soit cachère. D'abord, il faut premièrement la hauteur. Il faut la largeur. Il faut la longueur. Donc, longueur, largeur, hauteur. Mais qu'est-ce qu'il faut encore ? Le scar, bravo. Il faut, donc on a dit que le long soit plus important que le soleil. Pour l'instant, on en a vu 4. Donc, on avait en retraite longueur, largeur, hauteur et le scar. Maintenant, il y a une cinquième. Non. Le parterre. Le parterre. Parce que nous, on fait une souka par terre. Donc, nous, le parterre, ce n'est pas un paramètre. Hein. Tu ne vis pas dans l'air. D'accord ? Mais lorsque tu fais une souka sur une souka, quand tu fais une souka sur une souka, tu dis, voilà, moi, il me faut que celle du haut soit une souka. D'accord. Alors, si celle du haut, elle est une souka, celle du bas, chlet, pas soul. Si celle du haut, c'est pas une souka, celle du bas, elle est cachère. Donc, réfléchissons, qu'est-ce qu'il faut lui donner comme ingrédient à celle du haut pour devenir une vraie souka, et m'y met là, celle du bas, eh ben, elle sera complètement anéantie. Alors, on a dit, il faut la longueur, la largeur, la hauteur, le scar, ok, donc c'est ça. Mais ça ne suffit pas. Si le sol, il n'est pas solide, donc, en vérité, est-ce que c'est une souka là-haut ou pas ? Mais ce n'est pas une souka, parce que tu ne peux pas y arriver. Tu rentres dedans, tu te dégringoles en bas. Donc, en réalité, c'est comme tu as mis un plafond de paille. Ça ne tient pas. Donc, en réalité, tu n'as pas une souka là-haut. Pour qu'une souka soit une souka, combien il faut de paramètres ? 5. Il faut longueur, largeur, hauteur, toit, et il faut aussi le parterre. En général, on ne parle jamais du parterre, parce que tu es parterre. Si je mets toujours on met quelque chose par terre. Mais lorsque c'est sur deux niveaux, donc tu dois parler aussi du sol. Donc ça ne suffit pas à parler du toit, il faut parler du sol. Si le sol, il n'est pas solide. Hein ? Comment ? Comment on le fait, le toit, être solide ? Ben, on avait dit, parce qu'en vérité, on peut mettre des troncs d'arbres comme ça. Tu peux marcher sur les troncs d'arbres. Tu sais, des trucs de bambou très, très solides, tu peux marcher. Des arbres, on peut prendre. Tu prends des troncs d'arbres, tu mets un sur l'autre comme ça. Pourquoi ça marche. Tu prends on peut prendre des planches. On prend des planches solides, en merisier, ou bien en je sais pas quoi. En quoi quel est le. Ah, vous connaissez un petit peu en. En chêne solide. Donc, pour que celle du bas, écoutez bien, pour que celle du bas soit. Pas soul, qu'est-ce qu'il faut que cette du haut il soit cachère. Donc tu dis, il faut qu'elle a 70, bravo. Il faut longueur 70, largeur 70, hauteur 1 mètre. Il faut qu'il y ait du scar là-haut, ok. Mais ça ne suit pas. Ça ne suit pas tout ça. Si le sol, il est en paille. Donc en réalité, celui qui monte là-haut, il va dégringoler en bas. Donc en réalité, tu n'as pas une souka haut. Parce que tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas grimper. Tu peux pas monter. Donc ça ne s'appelle pas j'ai une souka 1, souka A, souka B. Vous avez un duplex. Si vous avez un duplex, et si vous montez dans votre duplex, vous dégringolez. C'est pas un duplex, ça veut dire que vous avez un très haut plafond. Ça ne va pas être un duplex, ça. Si vous mettez un faux plafond, et un faux plafond en comment on appelle ça, les trucs blancs, là, comme ça, ils mettent. Comment ça s'appelle ça ? BA13 s'appelle ? Du BA13, et tu montes là-haut, tu peux passer ton pied à travers le BA13. Alors quoi ? Est-ce que ça veut que tu as un duplex ? Ça s'appelle que tu n'as pas un duplex ? Ça veut que tu as un très haut plafond. Donc celle du bas, elle est cachère. Quand est-ce que celle du bas, elle n'est pas saoule ? C'est que tu peux grimper là-haut et tenir. Donc si tu tiens là-haut, donc c'est une souka en haut, une souka en bas. Donc la souka d'en haut, elle annule sa souka d'en bas. Bravo. C'est ça que ça veut dire. Im en atartona, si celle du bas, en atartona, celle du bas ne peut pas yéhola, les kabels, elle ne peut pas accepter, supporter karim, les oreillers, ksatot, les coussins, shalayona, de la souka du haut. Alors, à ce moment-là, si le plafond, c'est-à-dire le sol le sol de la souka supérieure, il n'est pas assez fort. Asuka,
celle du bas, Tartuna Kshera. Voilà, bravo. Donc on avait compris, c'est bien, hein, c'est beau, hein, c'est super bien. Donc, est-ce que vous avez compris le système ? Pour annuler celle d'en bas, il faut cachériser celle d'en haut. Si tu cachérises celle d'en haut, automatiquement, tu annules celle du bas. Okay. Maintenant, alors qu'est-ce qu'il pense à la Kama ? Ça, c'est Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce qu'il pense, Chachamim ? Ça veut dire, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il pense ? Il pense que quoi ? Même si tu n'arrives pas à monter là-haut, eh bien, quand même, c'est pas soul, mais c'est pas vrai, c'est pas une souka. La question, elle revient. Rav Dimi, tu es venu d'Israël, bravo. Boker Tov, Shalom Aleichem, comment vas-tu ? Comment ça va en Israël ? Ça va bien ? Ok. Les élections, ça va ? Il y a un gouvernement ? Ça y est, combien ? 61. Combien de temps ça va durer ? Semaine ? Non, espère en plus. 61, ça va, ils sont arrivés. Ah. Ils sont des pros là-bas. 61 contre 59. Dès qu'il y a un vote, et il y en a un qui fait le malin, il n'y a plus de gouvernement. C'est spécial, hein. Alors, Agmar dit, mais alors, Rachamim, qu'est-ce qu'il pense dans cette affaire ? Miklad et Tanakama, ça va ? Est-ce qu'on peut déduire de là que Rachamim, Tanakama, c'est Rabbi Meir, ça va, il pense, Af alpi shenar reuya le kabel psula ? Cela implique que le Tanakama pense que la souka du bas est pas soul, même lorsqu'elle ne peut pas supporter les oreillers et les cousins de celle du haut, mais c'est pas vrai ça. Si celle du haut, on ne peut pas grimper là-haut, donc en réalité, celle du haut, ce n'est pas une souka. C'est une fausse souka. Tu imagines que c'est une souka, mais ce n'est pas une souka parce que tu ne peux pas grimper. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi ? Qu'est-ce qu'il dit Rahamim ? Qu'est-ce qu'il dit Rahamim ? C'est pour ça que la Gemara, elle est très forte. Hein, la vérité, moi, je n'aurais pas trouvé cette réponse, mais ils savent très bien. Ika benayo di chola le kabel al yede atrak. La différence qu'il y a entre Rabbi Meir Tanakama et Rabbi Yehuda, notre Tana, et lorsque la souka du bas peut supporter le poids des cousins des oreillers de la souka du haut, seulement avec difficulté. Ça veut dire qu'en réalité, celle du haut, d'accord, celui qui grimpe là-haut, il reste 5 minutes, il dit, oh là là, c'est le Tibet là-bas, c'est le Népal, ça bouge tous les côtés. Le gars, il reste 5 minutes, il descend. Donc, tu peux y arriver, mais ça bouge. Alors, le gars, il dit, moi, j'habite pas là dans un truc comme ça. Chaque seconde, je risque de dégringoler. J'habite pas. C'est ça le cas. Donc, Rabbi Yehuda lui dit, ah, ça dépend. Si tu habites pas, tu descends, alors ça veut dire que c'est cachère. C'est du bas. C'est du bas, c'est cachère. Alors que Rabbi me dit, non, mais c'est pas grave, mais tu peux y aller. Allez, un peu de courage. Tu sais combien on n'est pas là, il y a encore quelques millions de personnes là-bas, non ? Combien ? C'est plein de gens là-bas. Quelques millions de personnes, ça tremble, mais tu y restes. Vous voyez comment c'est beau, hein ? c'est vraiment un tremblement de terre là, c'est vraiment le cas de le dire. Voilà, donc c'est-à-dire que la machloquette qu'il y a entre Tanakama et Rabbi Yehuda parle d'un cas où le plafond, il est frêle. Il risque de s'écouler à chaque instant. D'après Rabbi Yehuda, ça dépend. Si le gars il a du courage, il y monte. Hein, si tu montes là-haut, c'est-à-dire que tu considères que c'est une souka. Si tu es une souka, tu montes là-haut, donc celle d'en bas n'est pas soule. Et Chachamim, il pense, non, pas du tout. Le fait que, même si tu montes, le fait que tu as peur d'y aller, de rester, donc la souka n'est pas soule. Vous avez compris ? Donc on répète. Combien on a d'explications sur cette Mishnah ? 3. Les deux premières, ils ont été évacués. Et la troisième a été acceptée. Alors, le premier, qui c'est qui veut me rappeler ? La première option, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'on en pensait que cette discussion a parlé de quel cas ? De gens, rappelez-vous, c'était quoi le premier cas ? Oui, Rabbi Yehuda et Rami, ils parlaient de quel cas ? Comment on avait au début commencé notre manière de réfléchir, on a dit, ah, est-ce qu'il y a des habitants ou il n'y a pas d'habitants ? On a dit, attends, mais ça, c'est n'importe quoi, on s'en fout s'il y a des habitants ou pas. Donc on a dit, c'est pas vrai. Bon, allez, on parle plus d'habitants. On a dit, ah non, on parle plus d'habitants, on parle ici, est-ce que c'est habitable ou pas habitable ? D'accord ? Ça non plus, ça ne marche pas. Parce que sinon, même si ce n'est pas habitable, ça marche.
Non, on parle ici, dit la Gemara, c'est pas s'il y a des habitants ou pas des habitants, c'est pas si c'est habitable ou pas habitable, on parle ici que le plancher, il flanche. On va dire, mais si le plancher, il flanche, alors comment on peut... Qui c'est qui va dire que c'est caché, qui c'est qui va dire que c'est pas saoul? Ben, si il planche, ça veut dire pas tout à haut. Voilà les trois options. Et la troisième option, elle a été un peu plus raffinée. On dit non. Si le plancher il flanche carrément, ah, c'est sûr que tout le monde est d'accord que c'est cachère, ça du bas. Ici, on parle qu'elle flanche pas vraiment. Mais le gars, il a peur d'y aller. Ça tremble. Ça tremble tout. Toujours, il y a des tremblements comme ça. Tu marches dessus, oh là, ça bouge, tu as peur. Chaque pas que tu fais, tu as peur de te retrouver à 2 mètres de mettre en bas. Alors, tout ça, c'est ça la marloquette qui est entre Abiouda et notre ami. Vous avez compris? C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est-à-dire, tout ça, ça a commencé pour expliquer le mot im en diurim. S'il n'y a pas d'habitants, on dit qu'est-ce que c'est habitant? Est-ce qu'ils habitent en mamache? C'est pas possible, non. Raoul d'habiter, ça c'est pas possible non plus. Non, ça veut dire, est-ce que le gars, il a peur d'y aller ou pas? Et comme ça, on termine avec ça. Vous avez compris? Donc, c'est ça l'explication de cette Mishnah. Bravo. Allez, encore un petit peu, encore un peu de courage, encore un petit quart d'heure. Mishnah, ça va être très intéressant ça. Dit la Mishnah, une nouvelle Mishnah. Pires alea sadin mipene ahama. Écoutez bien ce que dit la Mishnah. Quelqu'un, il avait une belle souka, comme vous le voyez dans le dessin, sur le petit schéma là. Et qu'est-ce qui faisait trop chaud? Alors il a dit c'est impossible. Il a pris un drap. Et il a étendu le drap sur le scar à cause du soleil. Cachère ou pas cachère? Non. Ben non, pourquoi? Parce que qui c'est qui me protège? C'est qui me protège? Le scar ou bien le drap? Ben oui, le drap qui me protège. Donc c'est pas seul. Deuxième cas. O tartea mpina necher. Si on a étendu un drap au-dessous à cause des feuilles qui tombent. Donc le gars, il avait un scar qui, tu vois, des feuilles tombées, j'en ai marre, chaque seconde je reçois des feuilles sur ma tête, il a mis un drap pour récupérer les feuilles. Cachère ou pas saoul? Ben aussi, parce que qui c'est qui me protège? Ben c'est encore une fois le drap. Encore une fois, il faut être en connexion avec Hachem. Il faut avoir entre moi, je suis là, et j'ai le scar. Mais si je mets soit une protection au-dessus du scar, soit je mets une protection sous le scar, ben, encore une fois, c'est pas le scar qui vous protège, c'est ce drap-là, ou bien supérieur ou bien inférieur. D'accord? Troisième cas, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme? Il a étendu un drap sur son lit à quatre colonnes. Il avait un lit double, d'accord? Il avait un lit double, et il a mis un drap au-dessus pour se protéger. Pour protéger son lit. Donc il avait un lit double, il a mis un drap sur son lit double. C'est cachère ou pas cachère? Encore une fois, pas cachère. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, qui c'est qui me protège ici? C'est vrai que le scar, il est entier, mais j'ai mis une protection sur mon lit. Donc si je mets une protection sur mon lit, quand il pleut, quand il vente, lorsqu'il y a des intempéries, qui c'est qui me protège? Ben, c'est le drap qui est sur mon lit. Donc c'est pas saoul. Les trois cas, c'est pas saoul. Quand est-ce c'est cachère? Sur le lit, là, ça concerne que le lit. Ouais. Hein? Ça concerne que le lit, pas le soukha. Ah, bravo, bravo. Très bonne question. Ouais, réponse. Regardez, vous voyez où il y a le petit A, le petit Aleph, là, en jaune? C'est, on a dit, vous voyez ce truc-là? Ces poutres-là, les colonnes. 1, 2, 3, 4. Ces colonnes-là, il mesure un mètre. Et donc, et dessus, hein, ça devient une soukha. Le fait qu'il y a un mètre au-dessus de mon lit, c'est qu'en réalité, j'ai construit une autre soukha dans une soukha. Et c'est pas saoul, puisque j'ai pas de scar. Imaginez-vous que vous prenez une niche, comme ça vous prenez une petite, vous faites rentrer dans votre soukha, une petite maisonnette. Et vous rentrez dans votre maison, une mon souka, et vous prenez une petite maisonnette dans votre souka. Mais c'est pas saoul, parce que vous êtes dans votre maison, pas sur la souka. Donc c'est pas saoul d'être dans le lit, là. Oui, mais à condition que les colonnes, ils ont un mètre de hauteur. Si, elles ont un mètre de hauteur. Si, elles ont un mètre de hauteur.
Mais sinon, parce que sinon, quelqu'un qui dort dans un lit, il met un drap dessus sur sa tête parce que ça n'a pas de problème là, parce qu'il n'y a pas une souka, il n'y a pas un scar. Mais là, il mesure un mètre. Donc c'est, si tu veux, c'est comme si tu construis une petite maisonnette dans la souka. Elle ne s'est pas saoule. C'est pour ça que c'est pas saoul. Non, parce qu'on a dit, parce qu'on a dit souka, c'est pas saoul, mais kalvachomer, une maison sous une souka. Et kalvachomer, une souka sous une maison. Comment on l'avait dit, rappelez-vous au départ, on avait dit il y a trois choses qui sont pas saoul. On n'a pas le droit de faire sa souka sous un arbre, sous une maison, ou bien sous une souka. Et là, de quoi on parle? On parle qu'il a fait sa maison sous une souka, c'est pas saoul. Mais à condition que les colonnes, ils ont un mètre. Si les colonnes n'ont pas un mètre, ça ne va pas un espace. Oui, mais à ce moment-là, si elles ont un mètre, ça veut dire qu'on rentre dans les critères d'une souka, alors que là, on parle d'une maison. Une maison aussi. Une maison aussi, c'est un mètre d'auteur. Ah oui. Parce qu'on a dit que pour tous les dinim, on a dit, par exemple, pour mettre une mezouza, pour tous les dinim, il faut que la hauteur de la maison, elle soit au moins un mètre. Si c'est moins qu'un mètre, ça ne s'appelle pas un endroit habitable. Maintenant, écoutez bien. Aval, pour res ou algabé, naklité, amita. Mais par contre, celui qui a un lit, mais ce lit-là, il n'a pas quatre poutres, quatre colonnes, il a deux colonnes. Oui, c'est comme on faisait comme ça, comme le... Comment ça s'appelle ça? C'est un nom, ça? C'est, ouais, comme dans berceaux, c'est des berceaux. Je crois que c'est un nom, parce que le... Hein? C'est pas Valdequin. Valdequin, exactement. Valdequin, non? C'est pas ça, c'est pas ça. Même tout à l'heure, c'est Valdequin. Valdequin, c'était tout à l'heure. Ah d'accord, c'est ça. Parce qu'on voit ça à Versailles, ils avaient ça, les rois, ils avaient ça. Je sais pas comment ils avaient pas chaud, hein. Ils avaient le masgan, ils avaient la clim sous le truc. Alors dans ce cas-là, écoutez bien, c'est intéressant. Dans ce cas-là, vous voyez ce cas-là, c'est cacheur. Même si les poutres, ils ont un mètre. Pourquoi? Parce que du fait qu'on a ici un toit qui est en biais, et pas un toit qui est plat. Donc on considère ici qu'en réalité, ce n'est pas une souka. Parce qu'on a dit une souka, c'est quoi? 7 sur 7 sur 7, mais une hauteur de 10. Mais il faut qu'un espace, il faut qu'il y ait une superficie de 7 sur 7. Mais ça, ici, il n'y a pas 7 sur 7, puisque si tu regardes le toit de ce berceau-là, comme on va dire un peu ça, un berceau, d'accord? Ce toit-là, combien il mesure? Peut-être 1 mètre de hauteur, mais de largeur, combien il mesure? 0, puisqu'il est en biais. Mesure 0. Il n'a pas de superficie. Il a une hauteur, mais pas de superficie. Puisqu'il n'a pas de superficie, il ne dérange pas. Quand est-ce qu'on dit que ça dérange? C'est lorsque je me trouve dans un espace qui a un mètre au-dessus de moi et une superficie de 70. Donc j'ai une petite maisonnette. J'ai ma maison. Dans la souka, je me fais ma maison. Ah, tu fais ta maison dans la souka, c'est pas dans une souka. Tu veux la souka ou tu veux la maison? Mais qu'est-ce qu'on appelle une maison? C'est seulement s'il y a un toit. Mais si le toit, il est en biais, c'est pas considéré comme un toit, parce qu'un toit, il doit avoir, comme on l'a dit, comme une souka. 7 sur une superficie en horizontale. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas sous. Aval poresu, algabe nikletamita. Bravo, c'est ce qu'on a appris dans la Mishnah. Donc on répète la Mishnah, on a appris 4 cas. 3 pasoul et 1 kasher. Hein, le premier cas c'est quoi? Qu'il a mis le drap au-dessus. Deuxième cas, il a mis le drap au-dessous. Le troisième, il a mis son drap sur... Bravo. Sur son lit avec 4 colonnes. Et 4, ça c'est les 3 pasoul. 3 pasoul. 1 mètre. 1 mètre d'hauteur. Et le quatrième cas qui est kasher, si il le met avec 2 colonnes. Donc il n'y a pas de toit. Le toit, il est en biais, ça marche, c'est caché. Bravo. Maintenant, Gemara. La Gemara, elle vient nous dire, Amar Rav Frisda, écoutez bien, c'est un truc de malade, ça. Amar Rav Frisda nous apprend.
Il nous dit Lo Shanu et la Mipna Nesher. Tout ce qu'on a dit que c'est assour, c'est seulement dans le cas où la personne elle a mis le drap au-dessous de son scar à cause des feuilles qui tombent. D'accord ? En ce cas-là, on dit ah, si tu veux récupérer les feuilles, donc en vérité, ta souka n'est pas saoule. Pourquoi ? Parce que tu as mis un drap. Tu veux récupérer les feuilles, tu mets le drap. Parce que le drap, à quoi il sert ? Il sert à récupérer les feuilles. Mais lorsque on a étendu ce drap pour décorer la souka est cachère. C'est un scoop là, ça veut dire. Ça veut dire que toutes les décorations de la souka, même si ce n'est pas du scar, c'est du tissu, c'est des fruits, c'est des guirlandes, c'est des toutes sortes qu'on met plein de choses. Même si tu les accroches au scar, et après tu dis, ouais, j'en ai accroché tellement, chaque tes enfants ils viennent, ils te mettent, ah papa mets ça, ils te mettent, allez, 1, 2, 3, 4, des guirlandes, des etc., et toutes sortes de choses. Mais en fin de compte, tu as presque tapissé ton toit avec des guirlandes. C'est quand même caché. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est décoratif, en réalité, ça vient pas, au contraire, ça vient rehausser ta souka. Mais ta souka décorée. Lorsque tu mets un drap dessus ou un drap dessous, hein, tu casses la souka. Tu fais écran la souka. Ça vient pas améliorer ta souka, au contraire, ça vient abîmer ta souka. Mais lorsque tu décores ta souka, la décoration de ta souka, au contraire, elle ne vient pas détériorer ta souka, elle vient améliorer. Je vous pose une question. Lorsque vous avez votre salon et vous le tapissez avec des cadres extraordinaires. Alors quoi ? Ça veut dire quoi ? Tu n'as plus de maison ? Au contraire. Ta maison, elle a encore plus de. Elle prend plus de valeur. Parce que tu as donné. Tu n'as plus de mur. Alors, tu n'as plus de mur. C'est pas. Au contraire, tes murs, ils ont plus. Au contraire, mais tes murs, ils sont encore plus. Ils ont plus de valeur. Parce que maintenant, sur tes murs, il y a des cadres. Donc, ça améliore l'habitation. Tout ce qui vient embellir l'habitation, il n'a pas une valeur intrinsèque. Au contraire. Ça améliore l'habitation. Tu as une souka hyper belle. On ne peut pas dire, t'as plus de souka. Mais non, ma souka, elle est hyper belle. Regarde, rentre ma souka. Waouh, quelle belle souka avec des guirlandes, ça s'allume, ça s'éteint, c'est joli, etc. Au contraire, c'est une souka qui est améliorée. Ce n'est pas que tu enlèves, ce n'est pas que tu détériores ta souka, c'est au contraire que tu l'embellis. Tout ce qui vient embellir l'habitat, et au contraire, elle ne fait pas écran à l'habitat, mais au contraire, il améliore l'habitat. Et donc, c'est cachère. Même si, en fin de compte, écoutez bien, en fin de compte, quand je suis sous la souka, qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Il y a une guirlande. Mais moi, je suis sous la souka ou sous la guirlande ? Même si tu es sous la guirlande, c'est cachère. Pourquoi ? Parce que ça m'élève. Mais après, on verra. Mais attention, il faut que les décorations soient collées elles doivent être collées à Oscar. Mais si tu les fais pendre plus que 30 cm du plafond, alors c'est autre chose. Ça devient maintenant une nouvelle. Voilà, tu as ton Oscar là-haut, et ça, pour ça, tu as fait une boule là-bas, ici, tu as mis un lustre, tu as mis ça. Donc il faut coller. Parce que pour décorer ta souka, pour décorer le Oscar, il faut que ça adhère au Oscar. Mais si tu le mets entièrement détaché du scar, on dit oh, le scar il est là, mais ça c'est un, ouais, tu as décoré, ça va pas décorer le scar. Donc en réalité tu es sous le lustre. Vous comprenez ce que je dis ? Ça on verra après. Donc les décorations, la première règle c'est que la décoration elle n'abîme pas le scar, mais à condition qu'elle adhère au scar, que la décoration tout ce qu'on va embellir, il adhère au scar. C'est beau, hein? Gemara, dans les mots. Amar Afrizda. Afrizda, il nous a dit Lochanou. Tout ce qu'on a dit que si on met quelque chose sous le scar ou bien sur le scar, ça dérange. Et là, il me vient un nécher.
ce que tu mets simplement parce que tu as à cause des feuilles qui tombent. Avalenaota, nae, c'est quoi en hébreu, nae. Joli, bravo. Mais si c'est pour rendre joli, la décorer, kshera, c'est kasher. Nae, kasher. La Gemara dit pshita, mipina nejardan. Ben oui, parce que tu vois bien que notre Mishnah, elle a dit, tu as mis ça pas pour décorer, tu as mis ça parce que le contraire, ça, parce qu'il y avait des choses qui te dérangeaient. Donc ça veut dire que si tu décorais, ça marche. Ben dit non, maoudetema, j'aurais pu croire, ou adin, d'apulon naota. J'aurais pu croire qu'en réalité, même si tu mets un drap pour le décorer, c'est pas soul. Ah, pourquoi on a marqué mipina necher, ou khadimita katane? Simplement, c'était ça le cas le plus courant. Pourquoi les gens ils s'amusent à mettre des draps? Parce qu'ils ont peur de recevoir des choses sur la tête. Kamash malan, c'est pour cela que Rav Frisa nous a pris. Non, c'est pas vrai. Ça dépend pourquoi tu as mis ces choses-là. Si tu le mets dans le but de la décoration, ça ne dérange pas. Tu embellis la Torah. Regarde la Torah, il y a écrit Zekeli, Ve'anveu, Eloéavi, Paromemenu. C'est-à-dire quoi? Tu dois améliorer, tu dois rendre ta souka très belle. D'ailleurs, c'est ça la lacha. La lacha, elle veut qu'une personne qui a une souka, qui a la chance d'avoir une souka, c'est une souka à la maison? Ouais, c'est dur. Ouais, c'est ça. Celui qui a une souka dans sa maison, il doit faire une souka, mais l'embellir. On doit faire une très belle souka. Donc, tout ce qui est embellissement, c'est kasher. Ça ne dérange pas. Au contraire, tu la rends belle, la souka. Mais si tu fais quelque chose... ça ne va pas embellir ta souka, simplement ça te dérange, tu mets des scotchs comme ça, tu tires tu mets des bâches pour... Ah mais c'est pas une souka, ça, c'est une bâche, tu m'as mis. Non, je veux embellir, faut pas embellir, regarde, tu as abîmé là, tu as mis une bâche bleue comme ça, ta souka, ça... Ouais, j'ai mis une bâche parce que ça a pu pleuver. Ben non, d'accord, mais c'est pas, ça embellit pas ta souka. Mais si tu prends un tissu, tu prends des couleurs, tu prends des choses sympas comme ça et tu embellis le scar. Au contraire, tu as du scar raffiné, amélioré. Donc c'est kasher. Voilà ce que l'a dit la Mishnah. Allez, dit la Gemara, lima mesayale. A priori, on va amener une preuve que tout ce qui est beau, ça ne nous dérange jamais. Nous, on est des pros de la beauté. Paris. Les Juifs, ils adorent la beauté. C'est un beau. Mercedes, BMW... Audi, ils n'aiment pas les trucs comme ça. Ils choisissent toujours les bonnes choses. Non, je ne parle pas si c'est cher ou pas. Attendez, on a une question en live là. On peut prendre des fruits par une corde, car le scar, c'est donc pas cacheur. Ah non. Écoutez, là, celui qui pose la question, on a déjà vu que celui qui veut embellir son scar, sa souka, c'est cachère, mais pendant 7 jours, on ne peut pas en tirer profit. Donc, celui qui a accroché, par exemple, un fruit sur le scar, il y a des gens, vous savez, qui pendent comme ça des fruits, cette fruit d'Israël, etc. C'est cachère, on peut y habiter, mais par contre, on fera très attention, traditionnellement, on ne peut pas l'utiliser, parce qu'on a déjà vu qu'il y a écrit Soukot la chaîne. Soukot la chaîne. La souka, elle est Hachem. De la même manière que le korban, il devient Hachem. Un korban, tu ne peux pas offrir un korban à Hachem. Tu vas prendre le korban et t'amuser avec lui. Ça y est, tu n'as pas le toucher. C'est kadosh. La même chose, la souka, c'est kadosh. Touche pas. Amuse-toi, oui. Papa, passe-moi la banane là-bas. Tu veux une banane, viens avec moi, on va acheter des bananes. Celle-là, tu ne la touches pas. Non, je veux les raisins. Touche pas, mon fils. Tu veux des raisins, on va acheter à Auchan des raisins. Mais on ne peut pas. D'accord, on va prendre au sang. À coller. Oui, non, vous avez dit coller. Non, j'ai dit coller, ça veut dire qu'il soit moins de 30 cm du ska. Moins de 30 cm du ska. Alors regardez la suite de la Mishnah. La Mishnah nous dit, on attend encore 3 minutes jusqu'à qu'on fait Arvit. La Mishnah nous dit comme ça. Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Sikecha kilcheta. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a couvert la souka comme la loi l'exige. Mais on l'a décorée avec des tissus colorés, des toiles brodées. On a suspendu des noix, des amandes, des pêches, des grenades, des grappes de raisin, des couronnes de céréales ou des verres de vin, d'huile et de farine. Eh bien, le type, il a fait une décoration. Regardez le dessin.
Oula. Alors attendez, alors, il faut vraiment bien voir. Est-ce que vous voyez bien? Moi, je ne vois pas tellement bien, mais bon. D'accord? Celui qui a fait, il a tout mis, le gars, il a mis en haut. Il a mis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé des tissus colorés, des toiles brodées, des noix, des amandes, des pêches, des grenades, des grappes de raisin, des couronnes de céréales. Comment il a fait quoi? Il a pris un verre comme ça, il a mis du céréale dedans. Des verres de vin. Le gars, il a fait comme ça, il a mis un verre de vin. Neuf, d'huile et de farine. 11 choses. Dit la Mishnah, c'est pas soul. Hein, pourquoi c'est pas soul? C'est sympa d'avoir un souka comme ça. Tu rends un souka, tu te crois au champ. Bon, qu'est-ce que vous voulez, attendez, excusez-moi, moi je cherchais le rayon fruits exotiques. Ah non, moi je cherchais les fruits d'Israël. Ah, Gmar a dit alors pourquoi? Pourquoi c'est pas soul? On a dit que tout ce qui est là pour nous, pour améliorer, pour rendre. Mais c'est très beau de voir tout ça. La Gmar répond. Dinma minatsad, non, parce que tout ce qu'il a fait en vérité, il les a mis sur le côté, mais il les a pas mis dessus. C'est ça la différence. Si tu mets là-haut, c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Parce que ça améliore. Mais si tu mets sur les côtés, c'est pas sûr. Pourquoi? Parce que le fait que tu les colles de côté, ça va réduire ton espace et tu auras pas suffisamment l'espace de 7 fachim. Donc si tu colles là-bas sur tes murs, tu colles là-bas des verres de vin et toutes sortes de choses. Le gars, il passe. Attends, je veux dormir. Je ne peux plus dormir. Ici, j'ai un verre de vin. Ici, j'ai un verre d'huile. Ici, j'ai des grappes de raisin. Ici, j'ai des noix. Ici, j'ai des noisettes. Attendez, je ne peux plus passer. Quand tu as là-haut, ça ne dérange personne. D'accord? Au contraire, si tu le mets là-haut, c'est cachère. Pourquoi si tu le mets là-haut, c'est cachère? Ça ne dérange pas. C'est beau. Ça embellit. Tout ce qui est beau, c'est cachère. Alors, quand est-ce que c'est pas soul? Si tu mets minatsad, c'est quoi minatsad? C'est-à-dire que tu as une petite souka et tu colles, au lieu de laisser ton espace vital, tu mets là-bas toutes sortes de choses. Donc, quand tu rentres dans la souka, tu dis, attendez une seconde, je peux plus passer. Dans ce cas-là, c'est pas soul. Bravo. Ouais. Quand c'est la même chose. Comment? Si la souka, elle fait que 10 farim, elle est juste cachée, on met des choses dessus. C'est la même problématique. Ah, bravo, Nahon, c'est vrai que si quelqu'un, il a que 10, c'est aussi pas soul. Mais c'est vrai aussi, mais c'est pas une preuve que tout ce qui est beau, ça dérange. On a dit que tout ce qui est beau, kol le naota, tout ce qui est là pour embellir l'habitat, ne fait pas de problème d'un point de vue à l'arrivée. Pourquoi? Parce que c'est batel. D'accord? C'est batel. Alors que sur le côté, c'est pas batel, parce que, en fin de compte, il nous faut de l'espace. Bravo, les amis. Allez, on va faire un vite. Non, ça marche pas. Mmh.